quoi, Doudou? Ah, laisse, je vais le chercher. Laisse, reste ici, installe-toi. Bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. J'ai la petite puce qui est installée tranquillement devant la télé un petit peu après le petit déjeuner. Et d'un coup, elle s'est réveillée, elle voulait son doudou. Les garçons sont toujours en train de manger. Je vais aller lui chercher son doudou. Ça sera contente. Donc, comme je vous disais hier, on a joué au jeu concept que JB l'a eu. Et on s'est couché encore une fois tard. Il était... Je pense qu'il était minuit quand on a arrêté de jouer. Puis après, vu qu'on a regardé un épisode de Walking Dead avec JB... Tiens, ma puce. Bébé! De quoi? Bébé! Mais c'est pas grave, c'est Maxence qui va s'installer à côté de toi. Et on a regardé un épisode de Walking Dead parce qu'on est en train de regarder la série ensemble. Si tu veux le coussin, je veux bien le donner. Je vais chercher le mien. C'est bon, d'accord. Je vais le prendre. Hop. Ils sont gentils. Hop. Et donc, on s'est regardé un épisode, mais en fait, je m'endormais devant. Oui, donc je suis allée me coucher. Oui. On pourrait la faire, oui. Tu veux qu'on aille la faire maintenant? Allez, on va faire ça. Tu t'installes la puce? Vas-y, t'assure ton coussin. Hier, ma maison de Playmobil que je vous disais que je montais, on a commencé le début, mais le barbecue a été vite prêt. Donc, je n'ai pas fini du tout sa maison. Je vais vous montrer le peu que j'ai fait. Hop. En tout cas, il est au taquet parce qu'il se souvient que je lui ai dit que demain, on le ferait. Et il est déjà en train de me demander... Donc voilà, on a fait que ça quoi. Un bout de maison. Moi j'ai sorti des petits bonhommes. Voilà, oula, voilà, on a fait ça quoi. Mais bon, moi, on va sorti continuer. Des petits bouts de bonhommes. Ouais, bah allez, on va continuer. Je vais continuer à lui faire, parce qu'elle sera contente. Et voilà, la maison est montée. Attention, sa petite ferme. Il y a plein de petits détails. Là, il a tout mis l'étal comme s'il allait vendre. Et de l'autre côté, on a la maison, donc les lits à l'étage. Bon, la table, il l'a mis de l'autre côté. Mais il y a tout plein de petits détails. C'est vraiment très mignon. T'es content? Oui. Oui? C'était une bonne idée, ça, comme cadeau d'anniversaire? Oui, il y a un cadeau. Il y a une poule qui va faire des œufs. Il y a une poule qui va faire des œufs? Ah oui. C'est bien. Là, il y a des œufs, des petits poussins, les détails sont vraiment bons. Là, il y a des petites poules qui dorment. C'est super. Il y a deux poules là qui dorment. Ouais. Bon, t'es content, c'est super. Oui. Celui-là, c'est pour le lapin. Celui-là, c'est pour les poules. D'accord. Bon, coucou. Là, je vous prends. Il est 11h20. J'ai tendu une machine, vous voyez. Mais j'en ai profité qu'il fasse beau. Vraiment beau. Pour faire une tournée de draps des enfants lavés. J'en avais plusieurs que j'avais enlevés, que j'avais mis de côté. Et j'avais toujours pas fait de machine. Bon, les vêtements sont plutôt la priorité que tous mes draps. Mais là, vu qu'on part... C'est embêtant ces trucs-là qui se coincent toujours dans le skimmer. Hop. C'est un peu fraîche, loin. Vu qu'on part... Tout va bien. Je vérifie parce qu'on a des petites fuites. Donc, vu qu'on part ce midi, je disais oui pour un pique-nique aux gorges de Crozerie. Pas loin de Vanier, dans les Vosges, quoi. J'ai vu ça sur internet il n'y a pas très longtemps et franchement, les photos m'ont donné envie. Alors on s'est dit qu'on allait faire un pique-nique là-bas. Donc là, moi, je vais préparer les sandwichs, comme ça tout sera prêt, on n'aura rien à faire là-bas. Dimitri va pas tarder à manger, comme ça il aura mangé avant qu'on parte. Ce sera nickel. La petite puce, elle est tranquille dans le salon. Elle regarde les dessins animés, là, c'est Pierre Lapin. C'est un dessin animé que j'aime bien. Donc, je vais chercher le pain de mie. Je vais faire ça. Et puis, je vous reprendrai sûrement là-bas ou quand on partira. Oula, je pense que ça vaudra le détour. Bon, ici, il est midi. Ah, passage de ceinture. On est prêt à partir au pique-nique. On a tout préparé, tout est dans le coffre. Les enfants sont installés, tout. Tranquillement, chacun dans leur siège, prêt à partir, ils sont trop pressés. Alors pour eux, on a pris les maillots de bain s'ils veulent se baigner dans la rivière.
à mon avis... Papa aussi l'a pris pour se baigner avec nous. Papa aussi, ouais. Mais à mon avis, elle est très froide. Moi, rien. Je dis au pire, je trempe mes pieds, mais pas plus. Hein, la puce? Tu vas te baigner? On peut sauter quand on saute. La puce, elle est toute calme. Bon, puis je vous reprendrai de là-bas. Amaury! On est à un belvédère, on voit bien d'ici le haut des gorges, c'est vraiment sympa. Là-bas vous voyez JB, Amaury, Julien, c'est vraiment beau, ça fait vraiment un beau point de vue. Et tout ça on y accède depuis la voie verte, je vois que Maxence est parti, sans moi. T'es où Maxence? Il a dû se cacher. Et on y accède dans la forêt, là. C'est magnifique. Je t'ai vu, Maxence. Ah. Allez, on y va. On les rejoint. Oui, t'as pris un nouveau chemin, c'est bien. D'accord, je te suis. D'accord. Les enfants, ils adorent ça, là. Les balades comme ça, dans la forêt, au bord d'une rivière. Oui. On va aller mettre les maillots de bain, comme ça, vous pourrez tremper dans l'eau. Ouais. Bah, allez. Donc là, on récupère la voie verte. La piste cyclable qui emmène aux gorges du Crozerie. Vas-y, je te suis.
Papa s'est mis à aider les enfants à faire un barrage là, qui jette les plus grosses pierres pour essayer. Parce que Maxence, il adore les barrages. Il dit qu'il va à une rivière, c'est pour faire un barrage. Et il vient de glisser les fesses dans l'eau. Bon, c'est pas grave. Non, mais il va aider. Regarde, vous allez faire le barrage là-bas. Et l'eau, elle est super bonne. Ça fait vraiment du bien. Oui, la petite puce, elle s'amuse bien aussi. Elle jette des cailloux. Oui. C'est pour maman? Ah, sur mon pied, tu l'as mis. Ah, Andrea. Les poissons, ils se rapprochent de toi? Ah, super! Merci, ah oui! Merci. Ils sont tout près de toi. Tu les vois, Maxence? Oui. Est-ce qu'ils te mangent les pieds un petit peu? Non, je sens rien. Bah, bouge pas. Ça va arriver, t'inquiète pas. Il te mange les pieds, Maxence? Oui. Ah, c'est super! C'est bien les rivières, hein? À Maxence? Ouais. Bon, maintenant, on est bien rentré à la maison. Il est 4h. Oula! Ça est tombé tout ça. Il est 4h20, il y a Dimitri qui est en train de prendre son goûter. La puce, je l'ai couchée. Elle fait dodo. Elle s'endormait dans la voiture quand on est rentré. Et les garçons, ils regardent un petit dessin animé parce qu'il fait trop chaud dehors pour jouer. Je cherche un truc. Et nous, bah, ça va être repos, je pense. Ou peut-être un jeu. On a joué hier à Concept. Et en JB, il y a eu à son anniversaire le jeu Mysterium, que je vous en avais parlé un petit peu. Et en fait, Julie et Julien, ils connaissent aussi, donc ce serait bien de se faire une partie ensemble, vu qu'on connaît tous les règles. J'ai retrouvé mon chouchou. Depuis les vacances, je le cherche et je me suis dit, en fait, ça se trouve, il est dans mon sac à main, parce que j'avais dû le ranger pour je ne sais plus quoi pendant les vacances. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard. Un petit peu? Tu m'aides? Oui, j'ai juste un petit peu me baigner. Ah, mais non, tu t'es déjà baignée dans la rivière tout à l'heure. Hein? On va aller enlever les draps qui sont secs. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu viens avec moi? Tu m'aides? Je te donne quelques trucs et puis tu les portes. Donc là, c'est opération McDo pour les hommes. Ils sont partis chercher McDo pour tout le monde. Eh oui, on a craqué. Bon, ça fait plaisir aux enfants, ça fait plaisir à tout le monde de se prendre un petit truc comme ça à manger. Tiens, tu prends celui-là, s'il te plaît. Regarde, je le replie encore en deux et tu le tiens. Hop, je t'en donne un autre. C'est bien aussi d'aider maman, hein? Oui. Oui. Je vais tout prendre. Tu veux tout prendre? Oui. Bon, on va voir. D'un seul coup. D'un seul coup. Ce sera petit à petit. Ah, d'un seul coup jusque dans les chambres, comme ça je... Tu montes tout et puis moi je range dans la chambre. Oui. Oui. Tout en maman. Ah. Bon allez, c'est parti. On fait ça. Chose dit, chose faite. Hein? Maxence, il a tous les draps. Allez, vas-y, va vers la maison. Il porte tout. Bon, c'est pas très lourd, c'est juste des draps. Mais il est content de faire. Bah, t'arrives en retard, ma puce. Hein? Ça va aller, Maxence? Il gère. Parfait. Oui, ma puce. Bon, allez, on va ranger ça. À tout à l'heure. Et voilà, tout est tombé. Il suffisait de demander à maman de pousser. Regardez cette belle moumoute qui s'installe sur les chaises. Oh, elle est belle. Petit maman. Oh, t'es douce. Qu'est-ce que t'es belle. Aujourd'hui, elle a cherché l'ombre. On l'a vue à plein d'endroits dans le jardin, dans l'ombre. Elle est belle.
Tu fais des câlins? Ah bah voilà, elle a entendu Amaury. Coucou. Je vous prends là ce soir, il doit être... Oui, bah va les chercher, il est 20h, presque. Ah bah fallait pas les jeter là-bas. Les enfants, ils ont joué un peu, pas comme il faut, avec un jeu d'extérieur que... Oula, pardon, que mes parents leur ont offert pendant les vacances d'été. C'est ça, c'est tout en mousse, ils jettent des anneaux. Et ça fait un nombre de points. Et je vois ça qui est un petit peu mal rangé dehors, et les anneaux un petit peu n'importe où. Et il est où l'autre rouge? Ah, t'as les deux. Va chercher le bleu et les jaunes. Les bleus et jaunes. Et on va les ranger. D'accord, mon Tewi? Comme ça, il m'aide. Hop. Encore, j'enlève mes trucs dans le screamer. J'ai même pas regardé à combien elle était la piscine. Mais JB, tout à l'heure, il disait qu'elle était presque à 24. Elle était à 21 hier. Donc, elle a bien augmenté. La chaleur d'aujourd'hui l'a bien réchauffée. Un problème, ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a beaucoup d'air dans la piscine, ça faisait des bulles. Alors je pense que là de l'arrêter, ça lui a fait du bien. J'entends qu'il y a de l'air qui est parti. Attends, oui. Ah bah c'est bien, va ranger avec le reste. Ils sont là-bas. Oui, bah vas-y. Il est où le jeu? C'est bon, tu l'as trouvé? Tu joues range avec. Hop. Je vais remettre en route et on va voir ce qui se passe. Bon, ça va vous faire du bruit d'un coup. Ah, cette piscine, j'ai l'impression que tous les ans, on a un truc qui va pas. Bon, déjà, ça fait pas de bulles. C'est qu'il n'y a pas d'air dans le circuit. Et là, je vois que le pré-fit n'est pas totalement rempli d'eau. Normalement, ça doit être jusqu'en haut. Et là, c'est plutôt en bas. Je pense qu'il faut le temps que ça se remplisse tranquillement et on n'aura plus d'air. On va voir ça. Sinon, nous, ce soir, on pense sûrement regarder un dessin animé tous ensemble. Ah, je t'ai même pas vu passer. Tranquillement, dans le canapé, tous ensemble. En plus, on est content parce que Julie et Julien, ils restent une journée de plus avec nous. Ils partent pas demain, ils partent samedi. Ouais, vous savez, il serait content. T'es content? J'avais envie qu'il parte lundi. Ah, lundi, non, c'est pas possible. Lundi prochain. Ah non, Julien, il retravaille lundi. Oh, donc, il rentre samedi, comme ça, le dimanche, ils sont tranquilles à la maison. Et vendredi aussi. Et demain, on est vendredi, il reste à la maison. Oui. Donc, c'est cool, on est content. Et on a dit qu'on allait regarder un dessin animé tous ensemble? Oui. Oui. Moi, j'ai choisi Mulan. Et ils ont dit oui pour Mulan? Je sais pas, ils ont... Bah voilà, t'as pas demandé en fait. J'ai choisi, mais t'as pas demandé. Donc voilà, ça va être ça le programme de ce soir. On a enfin regardé la fin de saison de Walking Dead avec JB. Il est tout fou, il est tout content. Voilà, ils vont voir pour les dessins animés ensemble. Et Amaury qui veut toujours regarder Vaiana. Alors, ma piscine. Oh, j'ai des appels d'air. Je comprends pas. Aïe, c'est que ça se remplit. Je pense qu'il y a eu à un moment donné beaucoup d'air dans les tuyaux. Ça a fait un problème dedans, je pense. Vous devriez voir, regardez. Les reboucles. Ah bah, forcément, au moment où je vous monte, il n'y en a plus. Ah, voilà, vous voyez. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Et en plus, j'ai l'impression que j'ai de l'air qui sort par le skimmer. Donc la petite... pas là, pas le skimmer là, mais la bonde en bas, là, dans l'eau. Il y avait vraiment un dégagement d'air à faire, mais c'est ce qui est en train de se passer. Donc voilà, donc moi je disais, je vais vous laisser, j'ai arrêté de vous embêter avec ma piscine, le problème, je pense qu'en fait vous vous en foutez. Donc je vais vous laisser là-dessus pour cette journée. En tout cas, c'était super cet endroit là, la rivière, donc les gorges de Crozery. C'était vraiment très bien. Il faisait très chaud et nous, sous les arbres et auprès de la rivière, il faisait super bon. Quoi? Bah tu sais, on les a tous déjà vus, donc à partir de ce moment-là, on regarde pas de dessin animé si ça commence comme ça. Donc, je vais vous laisser là. Non, on n'en a pas des nouveaux.
Non. Non, on n'a pas des nouveaux. Les plans de DVD. Et donc, moi, je vais vous laisser là-dessus, sur cette journée, ce moment en rivière. Bon, ça a l'air mieux la piscine. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre les notifications aussi pour ne rater aucune de mes vidéos. C'est la petite cloche qui est à côté de s'abonner. Vous pouvez choisir la façon d'être notifié si vous voulez rater aucune des vidéos. Bien mettre la cloche en route. J'ai Amaury qui court. Et Maxence vers la balança. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à demain et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!